Moi, je me filme moi. Les gens mettent dans l'eau pour aller là, c'est à cause de tout ça. Si on avait la même molette, ils ont peut-être visité, bon, on peut payer. Moi, à la limite, on peut aller manger à la locodrome. Là, ce serait vraiment acheter pour acheter. Je crois qu'on est dans une genre de jardinerie. Là, c'est ça. Hein. Tu viens, t'achètes ta petite plante, t'achètes ton petit cyprès. Il y a des belles plantes. Hein. En fait, t'achètes tes petits cailloux. Et là, t'es bien, quoi. Et là, t'es en place. Tu peux faire ton petit jardin. Les petits pots. Là, il y a tout ce qu'il faut. Là, faut que j'essaye d'aller de l'autre côté de la route. Que. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose sur le long de cette bonne petite route. Et si je marche, je vais arriver transpirant, dégueulasse. Déjà que là, c'est pas trop. C'est un peu ça. On va essayer de se rapprocher un peu. Tu dis quoi? Me filme moi? Moi, je me filme moi. Ah oh! Les bandes 4G, genre, c'est en mode terrain. C'est un sapin. C'est un petit sapin. Ça se fond dans le décor. Là, le problème maintenant, c'est qu'il faut que j'arrive à aller de l'autre côté de la route. Faut que j'arrive à passer de là à là-bas. Sans mourir. Bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Il est approximativement midi, je suis en train de dégouliner comme un bon vieux gros porc. On dirait que je viens de courir un marathon. Je n'ai marché que 800 mètres. Là, je pense que ça devrait être assez facile de prendre un taxi. Mais je crois qu'en fait, je ne sais même pas si je vais en prendre un. J'ai l'impression que je suis arrivé. Enfin, j'ai l'impression qu'en haut, il commence à avoir de la vie. Et je sens même la transpiration qui coule dans la barbe. C'est hyper désagréable. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends un taxi? Est-ce que je prends pas de taxi? Telle est la question. Je croyais que le frérot il allait m'écraser. En fait, il voulait juste pisser. Il voulait juste pisser. Du coup, je vais lui demander de me décaler en haut. En haut, il n'y a pas le marché là-bas? Oui, il y a un marché. Non, comme ça. Ok. Combien? Non, regarde, combien? 500. 500, c'est bon, on va. On est arrivé. T'es chaud, hein? C'est chaud, hein? Je transpire comme un gros porc, là. On dirait que je fais du sport, là. Ça te dérange si je filme? Hein? Ça te dérange si je filme ou pas? Non, mais t'as l'air bien. Marché Ngohan Akamachis Kokoli Saint-Jean. On va aller faire un petit tour, ça m'a l'air sympa quand même. Bonjour, ça va? C'est interview. C'est grosse interview.
Vas-y, il faut répondre, on va poser quelques questions. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la France? Genre vraiment de la France. La France, c'est notre partenaire, on est eux. Non, mais faut dire la vérité. Oui, c'est la vérité. En tant qu'à moi, quoi. Parce que par exemple, moi, tu vois, moi, je savais pas, en venant ici, que sur le franc CFA, c'est imprimé en France, tu vois. Oui. Ça, je savais même pas. Pourquoi? Parce que moi, on l'apprend pas, et on m'a pas appris à l'école. Et moi, je trouve que c'est grave, non? Genre, ton billet à toi, là, il est imprimé chez moi. La France. Ton billet là, le CFA, CFA là, ton CFA, billet là, hein. Ça c'est imprimé en France là-bas. En France là-bas. Ça c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Non, d'accord. Non, non, ça, y a pas. Ça c'est pas normal. Non, là, c'est pas normal. Il y a les Français là, ils sont même pas au courant de ça. C'est les Français, la politique quoi. C'est eux qui mettent ça en place, mais les gens ils savent même pas qu'ici tu payes en France CFA quoi. C'est nous, non, l'argent là, c'est elle là-bas. C'est ça là-bas. C'est ça, c'est là-bas, ils impriment en France. Non, c'est pas normal. Non, d'accord. Non mais j'ai pas dit ça, j'ai dit les billets là, les francs CFA. J'ai dit ce billet là, il est imprimé en France. Et j'ai dit c'est pas normal. Oui c'est pas normal aussi. Et la deuxième chose qui n'est pas normal, ils impriment ça là-bas. Mais nous, quand tu veux un franc CFA là, tu peux pas utiliser le franc CFA dans aucun magasin en France. Pourquoi ici tu peux utiliser les euros? Si tu peux utiliser les euros. Ok, je savais pas. Malgré qu'ils sont ceux qui impriment notre monnaie, on peut pas utiliser le franc CFA en Europe. Non mais ça d'accord, c'est pas normal. Tu ne peux pas changer. Et ça d'accord, c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Voilà. Non, non, non. Donc, je vais essayer de revoir ça. De quoi? Faut leur dire la genèse. Il faut filmer. Là, il faut leur dire la genèse. Je vais essayer de revoir la hiérarchie là. Voilà, je vais essayer de revoir. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Voilà, je vais essayer de revoir. Et puis là, nous, on dit elle est faible. Mais c'est ça, parce que ici, là, c'est les populations là, voilà. Même qui vivent là. Oui, c'est faible. Parce que quand nous, on prend notre jeton par le sujet là-bas, là, c'est bien petit. C'est à cause de tout ça, les gens rentrent en bateau pour battre. On ne peut pas comprendre combien de pays qui sont dans le franc CFA et ces pays là. Encore on compte les PIB, si on veut bien voir, mais ils sont plus avancés que des États qui sont dans l'euro. Mais notre monnaie est faible. Toi, tu penses que ce serait mieux qu'une monnaie là en Côte d'Ivoire quoi? Je vais revoir notre monnaie, c'est que sinon on va pas. Et leur monnaie quoi? Les gens mettent dans l'eau pour aller là, c'est à cause de tout ça. Si on avait la même monnaie, si on avait les mêmes valeurs de la monnaie et tout ça, est-ce que les gens allaient partir espérant trouver une vie meilleure là-bas? Non, mais t'as raison, faut dire. Tout ça, je le demande. Parce que même moi, je te dis, tu vois, les Français comme moi, là, les jeunes, savent même pas qu'ici tu payes en France. Moi, je savais pas ça. En venant ici, j'ai vu ça. Tu vois un peu. Bon, ok, les gars. Merci beaucoup. Bon courage. On va éviter le marché un peu. Ils vont vouloir me faire acheter tout le magasin. Alors que j'ai pas d'argent. Non, on est ensemble. Bonjour. Non, mais je connais. C'est un marché quoi, de l'humanité. Oui, on peut visiter, bon, on peut payer. Bon. Moi j'ai pas d'argent. Hein. J'ai pas d'argent. Donc. On peut les cadeaux, je veux dire, à la prochaine fois. Non, on peut. Toi tu vends quoi? Toi tu vends quoi? Je vends des tableaux, des statues, des habits. Ok. On fait de tout quoi. Voilà. Même habiller le maillot aussi. C'est quoi? Même habiller des enfants, les maillots, les statues. Non, mais on va regarder tranquillement. Ok, je vais y aller. Vite en bas, vite en haut. Petit légume. Bonjour. 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 Ça, c'est chez toi. Ça fait combien de temps que tu bosses là? Beaucoup d'années, hein. 17 ans comme ça. 17 ans? 17 ans. 17 ans, t'es là? Matin au soir? Bah, c'est bon. Moi, ceci, la maladie, quelque chose qui est très très urgent. Non, tu viens quand même. Voilà. Là, à part s'il n'y a pas lu, t'es ici. Voilà. Non, c'est classe, hein? Voilà. Là, tu vois? C'est quoi? Même les maillots, tout ça là, on fait de tout aussi. Non, mais j'ai vu, il y a tout. Voilà. Je vois juste ce que tu fais, bam, les tenues, tout ça. Les tenues, les nappes traditionnelles. Ça, c'est sur le collier aussi africain. Hein. Ouais, non, c'est classe. Ouais. Les statues en bronze. Ouais, oh, c'est joli. Hein. Thierry, non, c'est... Et c'est toi qui taille à la main? Non, il est mort, c'est lui qui fait pour moi. Là, il m'envoie. Là, moi, je suis là pour vendre ça. Lui fait ça, là, lui m'envoie. Là, moi, j'y vends aussi. Ok. Et lui, il est à Abidjan? Non, lui, il n'est pas à Abidjan. Il est où? Il est juste au Mali.
Au Mali même. Voilà. Et du coup, il vient. Voilà. Ah ouais, ça fait de loin. Voilà, ça fait de loin, mais souvent, ils font ça. Il y a la route, hein. Voilà. C'est pas petit, là. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va tranquillement. Ok. On se porte bien. Merci. Sur la balade aujourd'hui. On visite un peu. On regarde un peu. Prochaine fois. Prochaine fois. Ouais. Voilà. Moi, bon, je vais faire un petit tour. Aussi, au cas où si tu as vu quelque chose qui t'est plein, ouais, aussi. Je te dis. Voilà. Il n'y a pas la locodrome pas loin? Oh oui, c'est pas loin. Non, c'est pas trop loin. Je vais aller faire un tour. Ah ouais, il y a du bon poisson en vrai. Il y a du bon poisson? Ouais, avec de la tchéké, de la loco. On va aller manger là-bas. On va aller manger des bonnes choses. Super. On va aller manger des douceurs. Ah oui. À la locodrome. Bon, ok. Ok. Je vais aller faire un autre tour. D'accord. Bon courage. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, ça va? Il y a quoi? Vas-y, on va voir. C'était des choses sympas. Non, je reviens pas. Aïe. Ta maillot, mais ta maillot 2 étoiles quoi. Ah, j'arrive. Y a les maillots? Non, mais j'arrive. Ça, c'est chez toi? C'est classe, hein? C'est ton petit magasin quoi. Et tu vois même les tenues pour les enfants quoi. Même pour toi. Non, c'est joli. Ça c'est pour moi. C'est pas pour toi, voilà pour toi qui est là. Ça. Là, les nappes aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Bonjour, ça va? Ça tu se porte bien? Les maillots? Non, je regarde seulement. Je regarde s'il y a des choses qui me plaisent bien quoi. Tout qui te plaît bien. Tu sais ça, je cherche quelque chose qui me plaît bien quoi. Où je vois et je dis, c'est joli. Mais pour nous, ça fait le plaisir. Tu sais que depuis matin, on n'a rien vendu, non? Ah, pourquoi? Ça y était. Pourquoi? Pourquoi t'as rien vendu? Parce que y a pas de client. Pourquoi? Pourquoi y a pas de client? Il y a client là. Mmh. Et moi, je suis arrivé en plus. Ça te pousse? Non, mais attends, on regarde. Non, montre-moi. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose où je me dis c'est joli. Tu n'aimes pas ça? Mm-mm. T'as pas des... Ça, c'est que chemise, quoi. Hein? Ça, c'est que les chemises, quoi. Mais il y a tout complet. Il y a complet? Mm-hmm. Comment on fait? T'as plaît, papa? Mmh. Il est grand. Il est un peu costaud quoi. Costaud. Il est un peu costaud. Tu veux que j'en ai plié, ça c'est tout. La bleue. La montre-moi bleue. Juste le bleu comme ça, le pour bleu. Voir à quoi ça ressemble. Ok. Ça vient du Mali ça. C'est le drapeau du Mali, non? Mmh. Mmh. Ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Ok. Ça vient tout comme bon. Il y a comme cela. Ça c'est pour Côte d'Ivoire. Okay. Ça ensemble aussi. Non mais c'est pas joli quoi. Moi, c'est pas mon goût qui est là. Pour moi c'est pas joli. Non mais c'est pas mon goût qui est là. Mais et ça? C'est pas mon goût non plus quoi. C'est un filet là. Mm-hmm. Moi j'aime bien quand c'est... Ça pète quoi. Tu vois quand la couleur elle. Quand c'est joli comme ça, la jaune, vert, rouge. C'est les couleurs. Le gars il passe, tu le vois tout de suite même. Attends. Ma grande s'est venue pour un beau cuisine. Attends-moi 2 minutes. Ne bouge pas. Je bouge pas même. Ah mais quand elle va revenir, je vais bouger. Je vais mettre là. On va reprendre la position. On reprend la position initiale. Et elle arrive. Mmh. J'ai pas bougé. T'as bougé. Attends, quoi, ça dit, tu vas voir. Tu l'aimes cette couleur là? Non, ça a l'air joli. Okay.
C'est joli. T'as vu Nancy, elle a des prières là, non? T'as vu tout le monde nous porter ça là. Mais que c'est très joli. Tu vois pas où je vais te dire tout le monde a porté ça? Non, mais toi, qui porte ça? Il y a une personne? Oui, le papa est venu, il a porté ça. Non, mais j'ai dit en bleu quoi. Mais, et ça, il aime ça? Non. T'as nous aussi? Non, c'est pas mon goût. Hein. Et ça? Non, mais j'ai compris, c'est le même modèle quoi. Mais, c'est pas mon goût. Attends. Mais toi, tu veux quelque chose? Je sais pas, juste si c'est joli, je veux quoi. C'est pas mon goût. Mais toi, pour vous, c'est quoi? C'est quelle couleur? Y a pas de couleur quoi, c'est si la chose est jolie quoi. Toi, quand t'achètes, quand tu veux mettre des habits là pour te mettre joli, non? Y a des couleurs préférées ou pas? Si. C'est quoi ta couleur préférée? Rose. Rose? Rose, c'est quand tu te mets chic chic quoi. Ça, c'est là, tu mets le rose. Ok. Ça m'ira bien ça. Non, j'ai vu. Il n'y a rien qui est trop joli quoi. Là c'est le même modèle. Il y en a un avec buton aussi. Non, mais je suis désolé, mais il n'y a pas mon goût quoi. Pardon. Pourquoi? Je sais pas. Bon, attends, c'est ton magasin quoi. Non, mais faut pas t'embêter. Attends. Je vais aller manger. Je vais aller à l'Ocodrome. Non, je suis désolé, il n'y a pas mon goût. Oh, tu sais quand ton moto a ton goût dedans. Non, mais j'ai regardé. J'ai vu. Ça dit ça quoi? Non, mais je vais aller manger, je vais revenir. Et les nappes, il n'aime pas les nappes. Les quoi? Les nappes. Les nappes. Mmh. J'ai même pas de table. J'ai même pas de table. Mais tu peux faire cadeau. Moi, à la limite, on peut aller manger à la Locodrome. Mais je vais aller à la Locodrome, je reviens. Je vais manger. Bah, allez, à l'Ocodrome, c'est sympa, non? Il y a Chocoladrome là-bas même. Ok. Là, ce serait vraiment acheter pour acheter. Ça va? Tranquillement, tranquillement. Je fais la vidéo. En vrai, je brise. Genre. Là, il y a vraiment rien où je me suis dit, oh, c'est joli, c'est classe. J'ai pas envie d'acheter pour acheter. Bonjour. Tu vends les pagnes? Oui, je viens de visiter. On regarde. Ah, vas-y. Ça va ou quoi? Hein? C'est, je dis, ça va ou quoi? Où ça va? Je peux filmer, ça gêne pas? Pardon? Je dis, je peux filmer, ça gêne pas? Vas-y, ça filme. Allô? Nous n'allons pas la bille. Là tu t'achètes ton petit pagne, après tu vas chez ton petit couturier et tu fais la tenue que tu veux. Une tenue comme ça quoi. Tu fais la tenue que tu veux. Bon moi je vais, j'ai vraiment la dalle. Ok, bon courage. J'ai vraiment la dalle. En fait, j'ai pas la dalle, j'ai soif. Bonsoir, ça va? Tranquillement. Est-ce qu'on va manger ici ou pas? Bon appétit. Non, ça filme encore. Le but, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire, c'est bien.
C'est joli. Là, je me filme moi, tu vois, non? Là, je te filme pas toi, je me filme moi. Non, non, je sais que tu filmes. Je vais savoir ça. Vous voulez montrer que la Côte d'Ivoire, c'est bien? Là, je fais Cocody, j'ai fait Yopougon, j'ai fait Trècheville. Je fais toutes les communes, quoi. Enfin, à Bobo, tout ça. À Bobo aussi? Non, à Bobo, c'est demain. Je vais pas faire Bobo encore. Je vais à Djamé. Je vais vous montrer que c'est chic, quoi. Y'a quoi à manger? Y'a quoi? Faut manger quelque chose, j'ai pas mangé déjà. Je vais demander ce qu'il y a à manger. Je peux manger ou pas? Prendre une assiette. Riz guagassou. Sauce comment? Guagassou. Je peux ou pas? Ok, c'est combien? 1000 francs, ok. On va manger tranquillement. Allez, je vais m'asseoir en face de toi. De quoi? Tu veux venir ou quoi? Tu veux que je te filme? Non mais je vois que t'habilles classe. Tout à l'heure je cherchais des pannes, quoi. J'ai même pas trouvé un panne chic comme toi. Il y a ça, il y a des vases en haut là. Ah, okay. J'ai même pas trouvé ça. Je vais aller à venir. Ouais, fous tout ce que j'ai. Quoi, gauchou? Quoi? Viande. Tu as pris de l'eau? Non, t'es un monstre. Merci beaucoup. Pourquoi tu rigoles? Non mais faut dire. Non mais faut dire. Faut s'arrêter, faut dire. Non mais tu te moques, faut dire. Non mais tu t'arrêtes, tu te moques, faut dire. Non mais ça gêne pas. Non. Ça gêne pas, mais faut dire pourquoi. Faut dire. Non y'a rien. Après la fois t'es montré la tunique. Non mais faut dire pourquoi. Le cas t'es montré la tunique. Ah, change pas de sujet, pourquoi. Non, faut dire. Non, on aime la monnaie. Non mais si c'est ça, y'a pas de soucis. Il est choc. Non mais. J'essaye. J'essaye de vivre à l'Ivoirien, quoi. Non mais tu vis déjà à l'Ivoirien. On essaye tranquillement. Il y a pas de mouvement. C'est ça. Non, il y a pas de mouvement. Il y a pas de mouvement. Faut sciencer un peu. Voilà. C'est ce que la deuxième dit. Celui-là, c'est des riches, quoi. Comment on dit en Ani, merci. Anche. Diapla. Et c'est que en Annie ou c'est Baoulé aussi?